N'essaye même pas. Mon fils est où? Il est encore au boulot maintenant, il arrive. Il est encore au boulot, il arrive. Madame, quoi c'est tout? Elle manipule le téléphone. La jambe de mon fils. Hey, maman, quelle bonne surprise! Mais tu ne nous as pas dit que tu venais ici aujourd'hui. Ah bon? Pour venir ici, je dois passer un message. Rob, ici c'est le chez moi. Je viens ici quand je veux. Et comme je veux, je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour être ici. Maman, maman, nous n'avons jamais dit le contraire. Nous savons très bien qu'ici c'est le chez toi. Ouais. Hein? On parle juste que tu aurais dû nous prévenir, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Hey, chérie, tu aurais dû ranger les sacs de maman, non? Elle peut penser à cela. Je t'ai toujours dit que cette fille ne m'aime pas. Mais chérie, j'ai voulu ranger ce sac qu'elle avait fait. Menteuse! Rob, tu ne dis rien. Elle t'a invité. Tu passes le temps à mentir, manger, prendre le poids avec tes sales comportements-là. Tu es venu si tu étais mère comme le criquet. Le criquet même est gros. Voilà. Tu étais comme le bambou aussi. Regarde comment tu es déjà. Mon fils était gros. Gros comme ça, comme la moire. Regarde comme il est devenu. Tu as fini de le sucer. Tu es une sangsue. Une sangsue. Je t'avais pourtant dit de ne pas épouser cette garce. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai même proposé la fille de mon ami Laurent, qui est doué d'une très bonne éducation. Tu n'as fait qu'à ta tête. À présent, monsieur, assume les conséquences. Mon ami, ramasse les sacs, la laisser dans la chambre. Maman. Le fait est fait. Je ne peux plus reculer. C'est elle que j'ai choisie. Et c'est pour cela que je l'ai épousée, maman. Tu dois pouvoir vivre et l'accepter telle qu'elle est. Elle choisit de ne pas partir.
Ce n'est pas du tout gentil de me traiter ainsi, maman. Je suis une douleur, maman. Oui, mon amour. Ton repas est servi. Ah, attends, j'arrive. Oh là là. Tiens, ton téléphone, tu l'as abandonné là-bas dans la chambre. Tu as cuisiné toi-même, mon amour.
peux d'abord laisser comme ça, mon amour. Et certes, femme, je vais commencer par là. Mais je t'ai toujours dit, il faudrait que tu m'attendes. Souvent, tu manges juste un peu et après, quand je suis arrivé déjà à la maison, qu'on puisse manger ensemble. Hmm? Je suis désolée, chérie. C'est aussi ça l'amour. Hein? Idim. Ok, bon, en passant, je vais oublier mon Dieu. D'accord. Bon appétit. C'est pas tout ce sel dans la nourriture. Du sel. Oui, mais vas-y, goûte, il y a trop de sel là. Tu m'as traité de ma foi, moi, des enfants. Pourquoi
Rentre-toi à la maison, s'il te plaît. Rentre-toi à la maison, mon amour. Rentre-toi à la maison. Shot by Mr. Boakai Solomon.